On va d'abord aller faire les quêtes. Donc la première quête, on va parler à Imelda. Ici. Salut! Ah, c'est vous! J'ai. Ça fait un moment! Ouais. Je m'ennuie. Rivetch, depuis que Rivetch est plus dans le business, ça a suspendu mes activités pour un moment. Et au-dessus de ça, c'est difficile de. Tous mes ventes d'objets hors balles, hors du coma, c'est terminé. Elle a plus ses revendeurs. Elle parle de Jonah aussi, qui lui donnait des informations. Alors que j'y pense, je reconnais pas tous les visages. Vous êtes qui? Des nouvelles têtes? Ouais, c'est des nouvelles têtes, ok. Quelle femme intéressante. Tant que vous êtes ici, j'ai une quête pour vous. Enfin, prenez ça déjà. Déjà la clé de sa maison, ok. Et bah, ils sont dans les bas quartiers. C'est vrai que j'ai vu cette maison. C'est pas un endroit pour les trafics. Mais il y a des monstres qui adorent s'y foutre. Alors allez nettoyer tout ça. Très bien. J'ai l'impression qu'on a déjà fait ça à une autre époque. C'est vrai qu'on a eu la même quête de cette même personne avant. Sois lucide. Oui, c'est vrai. On va être lucide. On va faire d'abord la quête. Je sais, peut-être qu'après les quêtes, je vais pouvoir les ramasser. Je sais pas. Donc Imelda, on a la clé. Let's go. Downtown. On va sauvegarder avant d'y rentrer. Parce que moi je connais les embrouilles. J'ai pas acheté les armes. Donc si ça se trouve, ça va être super dur. Ok, on est dans la zone. Il va sans doute y avoir un mob assez puissant. Mais j'ai pas encore acheté les armes parce que j'ai envie de voir si je peux m'en passer plus ou moins. Mais je pense qu'on les achètera quand même. Si je vois que c'est trop dur, je vais sortir et aller les acheter. Si j'ai envie de jauger un peu la difficulté du truc, quoi. Attendez. Parce que là, c'était fermé. Mais est-ce que je peux pas y aller directement en faisant le tour par là? Ah, j'ai pas réussi à le stun, il est trop fort. 400, ça va. Bref, ce match. Oh, ça va, on les défonce. Electronet. Boum. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle avait encore? Elle avait normalement Holy Bullet. Non, ça c'est pour soigner les gens. Elle avait un truc qui fait des gros dégâts en AoE. Ah, il manque de la portée. Hein. Il lui manque de la portée. Strike Bell. Ça c'est pour qu'on joue avant. Hein. Let's go. Oh, elle est vraiment craquée. Hein. Alors, lui, qu'est-ce qu'il avait? Phantom Rush. Il diminue la vitesse de 30%. Craft avec une hache, il va terminer ces mecs là. Boum. Je vais faire une auto-attaque. Auto-attaque. Let's go. Si c'est un peu trop fort le son, faut me le dire. Parce que moi je trouve qu'en combat c'est un peu trop fort. Hein. Un peu plus d'ennemis. J'essaie de toucher les trois. Oh là j'avais un angle. Ah, j'ai pas l'angle pour toucher les trois. Oh, mais si, j'en avais un. Quelle vie. Oh, cette puissance, quoi. S-grenade. Oh, ça fait mal, hein. Et la Trinity Guard. Graceful throws of missile scar, cancelling skill arts, ok. Il a un cancel en plus, très bien. Il est vraiment fort. Hein. De toute façon, là, ils peuvent rien faire. Oh, en plus, il lâche des yare yare, c'est tellement Jojo Cher. J'avais oublié à quel point les combats étaient agréables dans le jeu. Faut 30 séphites de tout. Nice, okay, on peut y aller. C'est bloqué. Non, on s'est fait embuscader. Wow, par autant d'ennemis. Oh, ça va être le combat qui va nous mettre mal. Oh, ils attaquent pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, dommage, je peux pas trigger de. Oh, quelle vie. Bon, ça va, il faut pas beaucoup de dégâts. Oh là là. Oh, le plaisir que c'est, quoi.
Oh le plaisir. Oh, je me suis pris un counter. Oh, c'est vraiment un plaisir. Je sais pas si vous ressentez le plaisir. Nakononatanawe. Oh là, quelle vie. Réussis pas à faire des attaques surprises, c'est trop chiant. Ah, j'ai raté. On va faire des auto-attaques pour regagner un peu de... Ah, c'est vrai qu'elle elle attaque en AOE, elle est trop craquée. Voilà. Ah, mais arrête, Yen, d'être bête. Comment ça m'a cassé le cul, là? On va taper ce type là qui vient derrière nous. Oh, c'est raton laveur. Bah, ça normalement. Voilà, ça fait double attaque. Oh, il a stoppé. Oh, mais on peut plus faire d'auto-attaque. Ah, il a même pas de spell. Quelle vie. Ah, il peut même pas debuff quoi. Stone Spike. Ouais, obligé de faire ça. Hein. On termine le combat quoi. Axel choose. Ah, nice! Ça, faut attendre un peu avant d'acheter les items. Là, on s'est mis bien. On a trouvé au moins une chaussure. Sauf qu'on a acheté plein. Bilucide. Là, on vient d'être lucide. On peut passer par là. Ouais, check d'abord. Oh, on peut taper ce mec. Ah, vas-y, l'attaque surprise qui passe pas. Par contre, il y a un truc que j'ai bien envie de voir. C'est. On va d'abord faire ça. Normalement, il y a un S-craft de groupe entre moi et. Ah, mais j'ai pas 100 points. Ok, lui. Non, pas, j'ai un craft de groupe avec truc, mais il a pas les dégâts. Quelle vie. Ça, c'est parce que j'ai toujours pas les items qui me donnent de la régène de points de compétence. Plus tard, j'aurai ça et ça sera craqué. Ah, un combat. Moi, je peux pas ouvrir. Ah là, je peux. J'étais trop proche d'un ennemi, je crois. Ah, si j'avais mon ultra de groupe, j'aurais pu le faire. Il faut que j'XP mon truc de groupe. Bientôt, je pense que je vais pouvoir le faire. J'ai envie de voir la haut de truc. Je parle des CP. Ouais, je parle des CP. C'est juste qu'il me faut 100 points de CP avec avec le frère. Après, je peux tous les one shot, je pense, et on va pouvoir tester ça de manière assez stylée. Ah, je vais même attendre. Normalement, le prochain mec qui va attaquer Lloyd. Ah, je suis à 99 points, mais quelle vie. Ah, oh, je suis à 99 points, quelle tristesse. Vas-y, je vais encore attendre, mais c'est une mauvaise idée. J'espère que Lloyd. Oh, Lloyd. Ah, c'est bon, il a les 100 points. J'allais mal parler là. Ok, maintenant il peut le faire. Voyons voir. Braveheart. Ah, c'est vrai qu'il a Star Blast avec la waifu. Combination de craft. Skill inclus, combine craft avec les personnages de ton équipe. Très bien. Oh, trop bien. Let's go, man. Oh, cette puissance. Let's go. Oh, c'est trop bien. Tu récupères pas avec les autos? Si, si. Tu récupères avec les auto-attaques et quand tu prends des coups, mais t'as des items... qui te donne beaucoup plus de régénération de points de compétence, enfin de points de craft avec. Oh, mouvement one! À chaque fois que c'est le tour, un tour qui passe, ou à chaque fois que tu fais une action, et du coup ça monte beaucoup plus vite.
Et en gros, t'en as même qui te donnent plus de CP à chaque fois que tu touches quelqu'un. Ce qui fait que par exemple, tu fais une AOE qui te coûte 40 CP, tu dis c'est beaucoup, et au final, tu te retrouves avec encore plus de CP qu'avant. J'ai craqué. Jusque-là, j'ai pas encore les items. C'est le début. On va le donner à elle. Elle a déjà un truc vert. Elle a rien obtenu de dingue, mais elle a move 1 quoi. Faut que je rachète un long barrel, j'ai envie de le donner à. Ah ouais, il faut. Mais bien sinon j'allais spoil. Non, t'inquiète. Yaru janai. Ici un truc j'imagine. Oh là là. Quand je jouais à Arios, c'était trop bien parce qu'on. Qu'est-ce que je voulais dire? Même si on attaquait le mec de face, on pouvait le stun quand même. C'est trop bien. On va le soigner quand même. Ah mais je peux pas avec lui. On va soigner avec le menu, c'est plus simple. Blind. Blind, on peut peut-être le mettre à L1 et ça donne 2-1. Bah, c'est mieux blind, non? Blind, ça donne 2. Let's go. Et lui, je vais lui mettre evade. Oh, mais vas-y, j'ai tapé dans le côté, ça aurait dû marcher, quelle vie. Oh, j'ai plus de points, quoi. Quelle misère. J'ai envie de quand même build les points pour le combat, on va faire des auto-attaques. Oh, bien joué le counter. Chuchu. Oh, tout le monde a des points sauf Axel quoi, sauf Lloyd. Axel Fola. Oui, il y a un livre là, je peux pas le prendre, c'est un truc de fou. Mais c'est les autres touches, hein, c'est mal réussi. En fait, c'est parce que j'ai toujours pas le bouquin des recettes. Attendez. Comment est-ce qu'on obtient le bouquin des recettes dans le jeu? Je crois que c'est parce que j'ai toujours pas fait la quête d'avant. Et faire une sauvegarde ici. Parce que ce que je suis en train de me dire, c'est que si je fais cette quête avant d'obtenir le bouquin des recettes, et que quand j'obtiens le bouquin des recettes, je peux plus rentrer dans ce bâtiment parce que j'ai rendu la clé, je vais reload, aller chercher le bouquin des recettes et puis revenir faire ça. Parce que ça voudrait dire que j'aurais dû faire la première quête seconde principale avant cette quête parce qu'elle débloque le bouquin des recettes, un truc comme ça, tu vois. Ah, il est trop beau. Donc je vais garder la sauvegarde que j'ai fait avant, enfin que j'ai fait ici, pour ça. Et moi je vais travailler sur cette sauvegarde. C'est tout, il y a un autre, let's go. Exterminate. Oh, le petit counter.
Brave Smash. On peut en toucher 3, non, même pas. Ah si. Nice. Oh, j'en ai dodge. Il y en a un qui a dodge quoi. Quelle fille. Patate de forain. Hit grenade. Bien joué. Avec un cross mirage, ça devrait faire le taf. Ah là, je peux toucher les 4. Bien joué. Ah, il m'a empoisonné. Oh le bâtard. Prends ça dans les dents. Alors je vais terminer, je vais essayer de tuer ceux-là. Il y avait un angle où j'avais les deux. Pas dans les deux là. Ce sera Axel Rush du coup. Bien joué. Et maintenant full auto-attaque je pense hein. Code for backup. Oh mais quelle vie. Oh ce... ces dégâts quoi. Oh, tout le monde est empoisonné, ce qu'elle vit. J'ai envie de faire un truc, c'est information. Juste pour savoir un peu. Oh, je peux même pas faire burning. Quelle vie. T'as un debuff ça? Et moi, une stat cure. Non, cure stat down. Ah, mais ça va pas retirer le poison. Très bien. Ça se permet de healer en groupe. Je vais healer là derrière. Oh, ça heal bien. Oh, ouais, on voit, il aime pas quoi. Le caillou, très bien. Oh, il fait un crit. Oh, il l'a tué avec le crit, quelle malchance. Enigma Kudo. Au moins il est plus empoisonné. Code for backup, oh, on s'en fout. Or, j'ai pas de spell de caillou avec lui, dommage. Et point une bullette. Oh, on va faire Holy. Comme ça on soigne tout le monde là. Mais du coup lui j'ai même plus de... j'ai même plus de quoi faire des trucs stylés. Art. Pas de spell de caillou sur lui. On va juste taper le boss. Non, non, tu peux pas utiliser de cigarette électronique. Pour le ramadan. Tu peux pas fumer. Ça compte pour ça aussi. C'est un jeûne, c'est pas que la nourriture, c'est sur plein de choses, tu vois. Et la cigarette, ça compte aussi. C'est vrai qu'il y a plein de gens, ils sont nerveux pendant le ramadan parce qu'ils fument tout le temps ou alors ils boivent trop de café et pendant le ramadan ils sont pas bien. Ah, elle peut plus soigner en AOE. Quelle vie. Franchement, son 38, il me donne envie d'utiliser les ultra là. Ah, j'aurais dû le faire le tour d'après pour avoir le crit. Oh, mais qu'est-ce qui fait chier lui à mourir? Oh, mais cette non-gérance du fight. Oh, je dois le refaire, je pense. Je vais essayer de le refaire mieux. Ouais, je vais le refaire mieux. Tant pis.
C'est une question que je me posais. Oh, c'est une bonne question en plus, parce que tu fumes la cigarette électronique, toi? Je pensais que tu fumais juste normal. Tout court. Après, ça aide à arrêter. Du coup, c'est pas plus mal. C'est pas plutôt Wi-Fi qui devrait arrêter de fumer, là? Exterminate. On va essayer de mieux gérer ça. Comme par exemple, inspiration. Et comme par exemple, qu'est-ce qu'elle a elle d'intéressant? Cross mirage, accélération. C'est vrai qu'il y a accélération. Oh putain, c'est vrai que c'est craqué en fait. Mais c'est vrai que ça coûte tellement de CP qu'il faudrait que j'aille faire des attaques de fou. Du coup, je vais pas trop les utiliser. Je sais qu'il aime pas le caillou déjà, mais on va pas faire ça. Elle va juste taper. On va attendre qu'ils soient tous paqués pour les défoncer avec un gros truc. Donc pendant ce temps, lui, qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant? Rien en plus, hein. Speed moins 30. Ah, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Oh, let's go! Je vais lui debuff sa vitesse. Et sa force avec ça. Bon, c'était une bonne idée ça. J'avoue, dans le doute, Yggdrasil. Comment ça va faire hier de tomber là-dessus. Oh, tout le monde joue derrière quoi. Bien. Ah, c'est cette attaque là qui pose problème en vrai. Alors je vais encore le ralentir. Voilà, comme ça il est ralenti beaucoup plus. J'ai pas envie qu'il meure avec 1100, mais normalement il vient de faire son AO, ça m'étonnerait qu'il la refasse, mais dans le doute on va quand même healer le frère. Hold for backup, c'est pas grave. Si je vais faire Heavy Smash pour lui baisser son attaque, et là ça devrait mieux le faire. J'ai envie de faire un Holy Bullet qui soigne tout le monde. Du coup je devrais le faire quand? Je vais quand même le faire maintenant parce qu'elle va crever sinon. Maintenant je peux aller taper le mob. Ouais, il fait beaucoup moins mal maintenant qu'il est debuff de force. Pas le redebuff. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Faut juste que ça me revienne. Holy Bullet, tu vois, je peux déjà plus le faire parce que ça coûte 60. Mais du coup je vais faire... Non, Strike Bell, faut pas que je le fasse maintenant parce que je peux rejouer directement derrière. Alors que si je me déplace ici, je joue juste après le piaf nul. Est-ce que je peux me buffer? Yes. Taper derrière et faire ça. Lui, il peut lui rebaisser la vitesse. Et là, normalement, voilà, lui, il joue pas trop de spécial. Et là, avec elle, je peux refaire Strike Bell et refaire jouer tout le monde, en fait. Donc, on re-arnaque le tour du boss. Donc le boss joue pas, nous on rejoue derrière. Et là c'est beaucoup plus proche. Parce que là, même s'il meurt pas, j'active les ultras. De toute façon c'est terminé. Parfait. Voilà, j'ai un peu plus joué comme faut jouer dans le jeu. Avec la gestion des tours. Il y a beaucoup plus, beaucoup mieux. Mm-hmm.
Défense 1. Nice. Craftbook. C'est quoi ça? Soit ça craftbook. Ah non, c'est le livre. Ah, c'est un livre pour un combo. Alors, assez vieux ce livre. C'est un livre qui apprend une technique de combinaison. Si on regarde bien, on dirait que Lloyd et Oasis, c'est un peu leur style, ça. Est-ce que vous seriez pas capable de reproduire cette technique? Peut-être bien. Vas-y, tu veux essayer? Bien sûr. Et là, on apprend une technique pour eux deux, ok. Ok, cool. C'est un orbement pour les deux, en plus. Ouais, j'ai un nouvel orbement, je mets de défense. Coûte que 1, oh, c'est pas dingue. Mettre lui à la place de Hit. Oh, quoi qu'il perde... Oh. Ouais, je vais garder Hit. Pas équipé défense. On va se rebarrer. J'ai obtenu tous les items, je crois. Hein. Ouais. Ça va, je peux re-rentrer, c'est cool. Et du coup, on va aller faire la quête principale d'abord pour obtenir le livre. C'est mieux, parce que sinon je vais me retrouver dans la merde. On va aller parler à Rebecca dans le. Non, pas Rebecca, c'était Emma, je crois. Rebecca, c'est la meuf à côté de Fran. Igma 2. Ah, c'est pas ça, c'est ça. Spoke with Rebecca, c'est fait. Miss Emma is waiting in the waiting room, ok. Enfin, in the conference room. Gouvernement. Alors, on parlait à cette madame Emma. C'est où? C'est là? Non, pas du tout, je crois que la conference room c'est ici. Non, ça c'est un ascenseur, ok, génial. Bah, c'était là alors. C'est vous, Emma? C'est elle, Emma. Bienvenue Banning, salut Banning, vous êtes ici. Enfin, vous êtes enfin là. Merci détective, vous êtes une grande aide. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ah non, il lui a plutôt dit merci de toute votre aide au fait. Et là elle dit, si tu parles de ton entraînement dans la division 1, c'était pas mon but de t'aider. Je ne suivais que les ordres de Dudley. Je veux pas être méchante, mais je m'en fous. Et pour être honnête, je ne suis pas déçu que tu aies refusé de nous rejoindre et que tu sois retourné à la police des gentils. Lol. On dirait que beaucoup de choses ont eu lieu. Ah non, elle a plutôt dit, je suis assez déçu que tu nous aies pas rejoint. D'accord. On dirait que l'autre section veut toujours aurait vraiment voulu avoir Lloyd. Bref, parlons au business. T'es ici parce que tu veux nous aider, pareil. Salut Greenwood. Yo, waouh, l'emote elle est incroyable. L'emote avec la waifu Estelle. J'ai compris que Luster était entré dans le pays. C'est ce que nous pensons. Mais nous n'avons toujours pas confirmé l'information. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez pas être sûr de sa position? Selon les informations qu'on a eues, c'est pas sûr. Le rapport dit que c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais on n'a pas réussi à le suivre pour être sûr. Il a disparu assez vite. Il est peu qu'il ressent le mouvement et qu'il évite d'être vu. Je vois. Quelqu'un d'incroyable. Si c'est vraiment lui, je suis pas surpris. Je veux que vous confirmiez que ce soit bien lui. Est-ce qu'il est vraiment rentré dans le pays ou si l'information est erronée?
J'aimerais vraiment que vous confirmiez son identité en tant qu'officier de l'armée de l'Empire et également secrétaire du gouvernement. Compris. Mais pourquoi nous ? Vous êtes déjà entré en contact avec lui plusieurs fois. Donc j'ai décidé de parier là-dessus. Je vois. Pour quelqu'un de l'élite, votre réponse est assez peu orthodoxe. On n'a plus le choix, ok ? Si je sépare nos forces pour le trouver, on pourrait le capturer, mais si on gère la situation difficilement, ça pourrait mener à un incident international. Alors je préfère vous envoyer et éviter les conflits. Si Dudley était là, je vous aurais pas demandé. Où est Dudley ? Hier soir, il est parti à Liberl pour la conférence pour la sécurité de la conférence commerciale. Pour le briefing de la sécurité de la conférence commerciale. Je pense qu'il sera de retour demain. Je vois. Il a l'air très occupé. C'est pour ça que je veux que vous gériez la situation avant qu'il rentre. Mais ce serait quelqu'un qui gérerait cette situation même s'il venait de rentrer d'un voyage et qu'il était super fatigué. Alors faites le travail. Je vois. Ça semble être lui. Très bien, on accepte la requête. Pour commencer, est-ce que vous savez où est-ce qu'il a été vu ? Je ne sais pas si c'est exact, mais l'information semble que c'était dans la Backstreet. Quoi ? Juste là ? Dans la ville, quoi ? Si proche du bâtiment de Rivage ? On dirait que c'est un endroit qu'on va devoir visiter. Très bien, on va commencer notre enquête là-bas. Je compte sur vous. Je vous attendrai ici si vous avez besoin de quoi que ce soit. Parlez à la réceptionniste si vous avez besoin de nous. Si vous voulez, excusez. Ok. Eh ben. Elle a dû t'aider pour pas mal de choses pendant ton entraînement. Elle est très stricte, mais elle m'a appris beaucoup de choses. Mais bon, je pense qu'elle est beaucoup trop sérieuse. J'ai le même sentiment. En général, les filles comme ça cherchent simplement un réconfort. Peut-être que je devrais l'inviter pour boire un verre ce soir. Hey, toi, t'arrêtes. Bon, allons chercher Lecter. On va chercher dans cette rue alors. Ok, let's go. La quête a commencé. Très bien. Bon, pour l'instant, c'est assez simple. On va se barrer, on va aller dans la rue. Backstreet. Bah directement une petite scène. Ah mais c'est la... Il y a directement la waifu de... du journal. Ah c'est ici que ça commence. C'est un peu lié, je devrais faire un article, non ? La pression de la part de la République a assez diminué en ce moment, mais... Grace ? Enfin, Grace, qu'est-ce que tu fais là ? Pouet. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Alors, vous avez commencé à travailler à nouveau ? Eh ouais. Eux et Randy vont nous rejoindre plus tard. Dommage. Mais qui aurait pensé que Wazi vous rejoindrait ? Je suis assez surprise. Heureux de l'entendre. Ça me dérangerait pas que vous écriviez un article là-dessus. Hey, toi, c'est marrant. J'aimerais discuter plus longtemps avec vous, mais je suis assez occupé pour le moment. Alors, une fois que j'ai fini, on pourra... C'est étrange de vous voir tous ensemble. Ah, c'est le mec de Yehue. C'est Chao. Le manager de la branche de Yehue. Et merde. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Lloyd, Ellie. Oh, il est tellement Itsukushi. Ainsi que Wazi et Sergent Noël, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'il nous connaît ? Impressionnant. Votre réseau d'informations est
C'est le moins que je puisse attendre de votre région d'impressionnant. Vous êtes de la police des gentils, alors c'est tout à fait normal de vous connaître. Mais à penser que Grace ait déjà entendu parler de nous. C'est bien la renommée journaliste du Crossbell Time. Non, c'est une coïncidence si je suis ici. Une coïncidence. Qu'est-ce que vous faites dans un endroit pareil? Qu'aviez-vous à faire dans l'ancien bâtiment de Ravage? Est-ce que ce n'est pas évident? Le laisser pourrir comme ça, ce serait un terrible... Ce serait un gâchis terrible pour la ville. Alors ma compagnie pense le racheter. Normalement, acheter un bâtiment de la mafia est assez difficile. Mais dans notre cas, on est assez habitué à ce bâtiment. Alors, si le bâtiment était vendu à un marchand, le coût d'entretien serait beaucoup trop excessif. Alors je pense que c'est une bonne affaire de nous vendre. Ils achètent juste le bâtiment, pour le moment on peut pas douter de quoi que ce soit. Monsieur Chao, est-ce que je peux vous demander... Est-ce que je peux faire un article sur ça? Oui bien sûr, il n'y a aucune honte à acheter un bâtiment. Mais je préférais que vous évitiez de raconter n'importe quoi et que vous disiez simplement que c'est une spéculation. Bien sûr, je garde ça à l'esprit. Veuillez m'excuser dans ce cas. Ouais, et vous tous, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir nous voir. Lo, nous partons, bien sûr. Ils sont censés partir à droite s'ils veulent rentrer. Eh ben... C'est un mec incroyable. J'ai l'impression d'être une grenouille qui était épiée par un snake. Par un serpent. Alors c'est le dragon blanc d'Orchid de Chao Li. Le leader le plus jeune de Yewe. Il est plus fin que les rumeurs ne le font penser. Il est toujours comme ça. Grace. Grace. Heiwei est intéressé dans ce bâtiment. On dirait qu'ils veulent l'acheter ainsi que l'entrepôt. Si Heiwei a ici, le monde de Crossbell est complètement chassé. Si Heiwei l'achète, ils auront le contrôle de tout le bâtiment, de toute la région de Crossbell. C'est inquiétant. Je mange, ok. C'est vrai. En tout cas, on a vu une scène incroyable, assez intéressante, alors que c'est même pas pour ça qu'on était venu. Faudra qu'on en parle à la section 1. Quoi, vous n'êtes pas venu pour ça? Vous êtes sur autre chose? Ah non, pas vraiment. Et ouais, on dirait que Grace l'a rencontré avant. Je cherche quelqu'un que tu as rencontré, Grace. Son nom est Lester. C'est le mec qui a battu les mineurs dans le casino. Ah, ce mec. Je l'ai vu au vieux dragon juste maintenant. Vraiment? Il aurait dit qu'il était en vacances, donc je me suis dit que c'était rien de spécial. Il kiffait la vibe avec son pote, quoi. Je me dépêchais de venir ici, donc j'ai pas eu trop le temps de lui parler.
Attendez, je peux pas rester ici. Au moins, je dois avoir des impro... je dois réussir à obtenir des informations intéressantes de Chao. À plus, j'y vais. Un jour, on ira manger ensemble comme la dernière fois, c'est trop bien. Ok. Au moins, on a un témoin qui... dont le rapport est assez clair, non? C'est vrai. Allons, vieux dragon. Let's go. Ok, let's go. On va pas tout de suite voir Imelda pour rendre le truc parce que... Fermez. Parce que j'ai envie de... J'ai envie de retourner prendre le livre après. Pas, c'est par là? Non, pas de bâtiment là. C'est quoi? L'entrepôt des times, ok. Et là c'était quoi encore? C'était le bar, la gazette. Blablabla. Point. Et toi? Ok, on a parlé aux gens ici, on se barre. C'est par là, non? Non, ça c'est la route du train. C'est par là, S route, ouais. Old Dragon, c'est ici. Sans doute ici qu'on va obtenir le livre de recettes, non? Sans doute. Ita. Ah, c'est comme ça que tu fais, tu utilises des fleurs de poire. Ouais. Comparé au poire normal, le goût et la chaleur mélangent le tout dans un autre niveau. Normalement, on en cultive que dans l'Est. Mais heureusement, j'en ai quelques-uns. J'en ai un peu avec moi. J'ai pu recommander. Ah, si seulement mon propre tofu au mapo était aussi bon. J'ai appris quelque chose. Lecteur, ça va? On l'a enfin trouvé, on l'a trouvé assez facilement. Il a l'air complètement au pif. Si on réussit à confirmer qui il est, la mission est accomplie. Oh, vous êtes enfin arrivé. J'attendais que vous me trouviez, bordel. Hein? Maître, est-ce que tu peux nous faire à manger pour nous tous? Enfin, c'est les mecs dont je te parlais. Putain, moi j'ai juste envie de manger, quoi. Ils sont assez forts, mais... Et ils adorent cuisiner aussi, alors montre-leur 2-3 trucs. Ok, en tant que maître cuistot, que... et je m'appelle... En plus, il s'appelle Zhang Yui. Quatre en même temps, je vais pouvoir faire un repas incroyable. Faites de votre mieux pour me suivre. Hein? Mais de quoi il parle? Ah, il s'est barré. Il a fui. Je suis assez surpris. Faut le poursuivre. Mais où est-ce que vous pensez aller? La leçon ne fait que commencer. Préparez-vous à votre entraînement. Mais non, on veut pas cuisiner. On fait partie de la police, bordel. Et on va cuisiner. Yo Adam, ça 6 plus 3, t'es niveau 63, c'est ça? Désolé d'avoir pas compris. Mais ça doit être un signe, alors acceptez ceci. La recette du riz du dragon. Enfin, ouais, le riz sauté du vieux dragon. Et le livre de recettes. Merci. Vous nous donnez le livre de recettes? Juste un livre en plus qu'on avait, alors vous inquiétez pas, prenez-le. Merci beaucoup. Allez, on le poursuit. Ok, on a obtenu le livre, on va pouvoir apprendre les recettes. Mais il est où? Ah, merde. On dirait qu'il savait qu'on est venu le chercher et qu'il nous a juste piégé, quoi. Ah, pour lui, c'était assez simple de nous piéger. C'est pas le capitaine du réseau d'information pour rien. C'est pas un piège qu'un soldat ordinaire aurait mis en place. Alors, est-ce qu'on abandonne? Non, on continue de le suivre et on verra. Si on y arrive, si on se concentre, on va pouvoir réussir à le retrouver. Compris. Let's go. Ok, cool.
J'ai loupé en train de jouer à Zero No qui c'est qui. C'est ça quand t'as fini Third avec Richard. Sérieux, Ross, je me rappelle pas, mais ça fait plaisir que tu te souviennes. Je me rappelle pas de ton pseudo, mais pourtant ça me disait un truc. C'est vrai que ça fait longtemps, hein. Les jeux sont longs, alors je prends assez de temps entre chaque jeu, sinon j'en peux plus de lire des dialogues. Mais ça avance. Alors attendez, je vais d'abord retourner au quartier et aller chercher le livre de recettes que j'ai raté tantôt parce que j'avais pas le recipe book. Merde. Mais qu'est-ce qu'il me donne ? Oh, je me suis tapé le combat en plein pif. C'est vrai que Richard, il était MVP de dingue. Hein. Richard, il faisait le taf tout seul. Oh, maintenant que je m'en rappelle, c'était abusé. Oh, Richard. Oh, quel plaisir de s'en rappeler, quoi. One shot, hein. Oh, on a même plus de points, quoi. Boum. T'es un peu un monk, lui. Ouais, l'histoire de René, j'ai trop kiffé. Hein. Et le surkiff ultime. Ça va, Adam? Oh, ça va, tranquille, gros. Je joue à mon jeu Jab de la vie, du coup, je suis content. Oh, le livre était là. Non, mais c'est tout tranquille. Nice, maintenant, je pourrais le récupérer. Voilà, c'est ça. En nous. Parce que tantôt j'avais pas le livre de recettes. Du coup il y a plein de livres que je dois aller récupérer que j'avais raté avant. Quelle vie. Je sais plus exactement où ils sont mais je vais les retrouver. Il n'y avait pas un ici par exemple. Oh, j'irai voir où ils sont après. Parce que sinon on s'en sort pas. Donc là il faut que j'aille où pour suivre cet enfoiré. Info on the street and chase after him. Yes. Vous auriez pas vu un random? Ah, ils disent de la merde. Bon, de toute façon, je vais aller le chercher au pif, c'est le mieux. C'est que des randoms quoi. Je check dans les bâtiments. Je crois qu'ici il y avait un livre aussi que je vais récupérer. Non. Oh là là, je sais plus où j'avais raté les livres, mais bon. Faut que je check où il est passé ce bâtard. Ouais, elle parle d'un mec roux. Je sais pas où il est. Quoi, elle parle? On dirait qu'elles ont... qu'il est rentré là-dedans, mais je vois pas. J'ai abusé le leveling. J'ai 15 levels en plus que les autres. Sérieux? Ah, il est sur le toit, c'est ce qu'elle a dit. J'avais pas vu qu'il y avait un escalier qui menait sur le toit. Je savais même pas qu'on pouvait aller sur le toit de ce bâtiment, quelle vie. Mais sûr, c'est des mignons. Tu vois ce que j'ai là? Non, c'est juste un smiley qui saigne. Et ça, c'est rouge. C'est comme si c'était pris une balle, carrément. Ah! Non, dans les jeux. Quoi? Les tirs. Les jeux. Ah! J'ai même pas remarqué, tu sais quoi? J'irai check. Dans le jeu. Vu que j'avais un t-shirt avec un truc jaune, j'ai pensé à ça.
J'ai trop focus à le chercher. Ouah, la tour au fond, elle ressemble à rien. Les autres sont... Mais t'es quel niveau maintenant? T'es 39 hier, ça veut dire t'es quel niveau maintenant? 37. T'étais pas 39? Ouais, j'ai du mal comprendre. 33 hier. My bad. Bon, ça, tu te mets bien. Oh mec, je m'habitue vraiment pas à cet endroit. 34 stuck. Ouais, c'était ça. Courage, Kouz. Ça, t'as 15 niveaux d'avance sur tes potes. Genre, ils sont niveau 15. Même pas 20, quoi. Et moi, j'ai hâte. Comme je t'ai dit, dès que le patch il sort. Parce que j'ai bien envie de rejouer un perso. Mais c'est pour refaire l'histoire que j'ai déjà fait. J'ai la flemme. Mais dès qu'il y aura la nouvelle version de l'histoire, moi je vais remonter un perso. Peut-être jusqu'au niveau 50 juste pour voir le truc. Après je sais pas si je referai les extensions aussi, mais je sais que vu que la 2.0 ils la refont, j'ai bien envie de check. J'ai fait Krillin, ouais, j'ai vu, c'est stylé. Mais t'as vu, je t'ai envoyé une image, il y a ton perso dans le jeu. Il y avait un full chauve. Bref. Je comprends ce que t'essaies de dire. La tour d'Orkis. 250 km de long, 40 bâtiments, 40 magasins. Dans l'histoire. En plus du nouveau centre commercial, il y a tous des étages de corporations et de bureaux internationaux dans ce bâtiment. Incroyable. C'est même plus grand que ce que je pensais en le voyant d'ici. Mais ce bâtiment, il était pas là avant. Voilà, il était en construction. Il est toujours... Ah, il est couvert par un drap, genre. Il est toujours couvert, alors on sait même pas à quoi il ressemble. Ça me rappelle dans How I Met Your Mother, t'avais le perso principal, il jouait un architecte. C'était un architecte, il s'appelle Ted. Et je me rappelle, il y avait un épisode où il montrait un nouveau bâtiment et genre il y avait une maquette, et il retire le drap. Et en gros, la maquette c'était littéralement une bite. Et c'était le nouveau bâtiment de la banque qu'ils allaient créer. C'était trop marrant. Le bâtiment est presque complété, presque terminé. Et en plus, le mec c'était un Renoir et il disait: mais jamais je vais financer ça! Il fait: mais pourquoi? C'est élégant, c'est un nouveau design. Mais... Et puis Lorient me fait: mais c'est un pénis. Et la manière dont il le dit, c'était trop marrant. Ah là là. D'habitude je regarde en anglais, mais là j'avais regardé en français parce que ma petite soeur regardait avec moi. Enfin, ma petite soeur, elle est grande, hein. Et c'est un truc à la hache, c'est une série marrante. La moitié de la ville est employée dans ce bâtiment, quoi. L'activité du centre de ce bâtiment va être dévoilée pendant la conférence à la fin du mois. Alors ils sont prêts à jouer un tour à tous ces grands chefs d'État qui vont se rassembler. On dirait que ce Dieter Kroy, c'est plus important que ce que je pensais. En tant que membre de la police, j'ai une question à vous poser. Lecteur, confirme-nous ton identité. Comme c'est sérieux, et si je refusais? C'est vrai que la loi de Crossbell ne s'applique pas aux officiers du gouvernement de la République ou de l'Empire. Mais ce n'est le cas que si l'identité d'une personne est claire. Et puisque votre identité n'est pas claire, vous serez traité comme un citoyen, comme un étranger ordinaire. Vous comprenez ce qu'on essaie de vous dire? Je vois. En ce cas, je n'ai pas le choix. Très bien. Je vais... Hein? Comment il essaie d'esquiver? Il y a un problème? Le bâtiment là-bas. Il n'y avait pas une ombre qui était en train de sauter d'un toit à l'autre? Quoi?
voulais dire que... Est-ce que ce serait Yin? Yin, c'était le ninja démoniaque qu'il y avait dans le 1. Enfin, dans le 1, dans le 4. Mais on est en pleine journée. Et il a disparu. GG Wellplay. Mais t'es sérieux, il est descendu en rappel? J'arrive pas à le croire. Même moi, j'arrive pas à le croire. On est vraiment des merdes. On le suit vite. Mais quelle bande handicapée. Ah ok, merci, le jeu le poursuit par moi-même. Automatiquement. Il est vraiment descendu là. Je me demande s'il avait déjà préparé son coup. Peu importe, on le suit. On va devoir demander à toutes les personnes qui sont passées. Bah, tant qu'on est là, on va remettre la quête secondaire que j'étais en train de faire. La quête est censée me donner 4 points, on verra si je l'ai bien fait. Non, je peux pas rater. Vous avez réussi? C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Mais on a fini. Ah oui, merde, je suis bête. C'est plus... Oh là là, j'ai encore l'habitude des tout premiers jeux. Faut pas retourner voir le client. Faut retourner au bureau et parler à l'ordinateur. My bad. Faut parler à l'ordinateur. J'étais là, pourquoi elle veut pas accepter ma quête, quoi? Mais non, ça a rien à voir. My bad. Je sais pas où il est. Quoi, t'as vu un mec, non? District d'internet, ok. Doit être dans l'hôtel, non? Il doit être dans l'hôtel, c'est cramé. Je vois pas où il serait d'autre. C'est moi où il y avait un pot de fleurs bizarre? Ah non, pas du tout. Ok, il est peut-être dans le théâtre en fait. Ok, tu racontes de la merde. Mais il est où ce bâtard? Ok, il était pas dans l'hôtel. Peut-être à... Non, ça m'étonnerait qu'il soit là. Peut-être dans le casino. Dans le théâtre, c'est trop lié à l'histoire. Alors que dans le casino... Ouais, il est là. Oh, je me suis encore fait avoir. Si je réussis pas à gagner le jackpot cette fois, je m'arrête. Hector, t'arrêtes les conneries maintenant. Dis-nous qui tu es. Même si on le sait tous, on nous a payé pour savoir qui t'es, bordel. Mon identité. Identité. Alors laquelle je devrais vous donner? S'il te plaît, arrête de faire le con. Très bien. Posez-moi la question que vous voulez et je vous répondrai par oui ou par non. Ah, mais on dirait le jeu de Wi-Fi, très bien. Vous êtes Monsieur Lecter Lander, secrétaire au gouvernement de l'Empire. Êtes-vous également capitaine de la division de renseignement de l'Empire? Il a admis directement. Je continue. Êtes-vous un connard? Non. Est-ce que vous visitez le pays selon une mission de l'Empire, du gouvernement de l'Empire? Pas vraiment, mais en même temps, ouais. Est-ce que vous restez plus longtemps qu'un mois? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il reste jusqu'à la fin du mois? Et à la fin du mois, il y a la conférence internationale. La réponse est non. Je repartirai dans une semaine. Est-ce que c'est tout? Ah, on peut pas obtenir plus d'infos. Désolé de vous avoir dérangé, Captain Aranda. Merci de votre semi-coopération. Pas de problème. Et comment est-ce que la petite s'en sort? Vous l'avez pris avec vous, pas vrai? Vous parlez de Kia?
Elle va bien. Merci pour votre aide en tout cas. C'est vrai que vous nous avez aidé à nous échapper après tout. De quoi est-ce que vous parlez? Je suis juste en train de jouer là-bas, au Blackjack. Et en plus, le vieil Hartman, il a fini par être arrêté, pas vrai? C'était bizarre que c'était un otage, mais je suis content qu'il soit capturé. Il est au courant de tout, quoi. Mais comment est-ce que tu sais ça? Ça fait même pas 3 jours depuis cet incident. Quel salaud. Eh bien, confirmer cette information était un des objectifs de ma visite, vous voyez. En d'autres termes, vous venez de vendre la mèche. Eh, vous êtes là? Oh, ah, c'est ici que t'es. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Ouah, elle a l'air énervée. T'as obtenu ces tickets pour le spectacle de l'arc-en-ciel ou pas? Et qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas, j'ai réservé un siège VIP pour le spectacle de ce soir. Pourquoi me remercier plus tard? Sérieux? Oh, j'ai voulu les voir depuis tellement longtemps. Mais c'est qui? On dirait qu'elle est encore jeune. Oré? Dots. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait une waifu de Iz à 100%. Je sais pas pourquoi elle est dans ce jeu et pas dans Iz 9 ou dans Iz 8 ou dans n'importe quel Iz quoi. Elle, c'est Iz à 100%. Une meuf du village, des mecs qui sont restés sur terre quand les déesses sont montées au ciel avec la capitale. C'est abusé. Tu as une odeur spéciale, toi. Je me rappelle de cette odeur de quelque part. Ah. La petite fille mordit l'oreille de Lloyd. Mais... Nani ? Eh là, oh, le regard d'Ellie, ça c'est le regard de waifu ça. N'approche pas. Oh, vas-y. Mais qu'est-ce qui te prend? Merci pour la nourriture. T'as en effet cette petite odeur. Pas vraiment, il n'y a pas vraiment cette odeur sur les deux autres. Mais c'est vrai que t'as un peu cette odeur toi aussi. Wouah, le graboups en plus en x2 hein. Vitesse normale, full accéléré. Mais tu vas lâcher? Mais quand est-ce qu'elle est arrivée derrière elle? Oh mais la scène dure longtemps. Ah ils sont assez gros. Oh les miens sont tout plats, je suis trop jalouse. Mais tu vas arrêter? Ça fait 40 secondes là. Pourquoi est-ce que... Oh mais Ellie, arrête de te laisser faire. Mais bordel, quelqu'un va faire quelque chose. Vas-y, quelle scène incroyable. Je veux dire, faut stop là. Mais arrêtez bordel. Tu sais, elle fait ce qu'elle veut, alors bon, autant la laisser faire. Mais bon, faut que tu t'arrêtes, sinon c'est du harcèlement sexuel et on va avoir des problèmes, merde. Mais non, j'apprends à la connaître. Mais elle sort de Is, c'est pas possible. Mais c'est totalement... comment on dit encore? Harassment. De l'harassement sexuel, je sais plus comment on dit. Au moins maintenant elle s'en sort. Putain, mais ça a duré trop longtemps. Comment on dit encore en français? Oh, je suis trop nul pour trouver les mots. Harcèlement, putain, mais c'est le même mot quoi. C'est totalement de l'harcèlement. Est-ce que tu vas bien? Bon, si vous voulez, vous nous excusez. On va aller tuer le temps au parc d'attractions de Michelam. A tout. Et on y va.
Oh, mais c'est littéralement un perso de East qui vit dans la forêt. À chaque fois, il y a une tribu qui vit dans la forêt, qui sont en mode full guerrier et qui sont un peu au pif. Ben, elle sort de là. En fait, je vais vous montrer. C'est elle, en fait. Il faut, j'ai pas le choix là. Il faut que je vous montre, en fait. C'est genre pas possible. Je peux pas ne pas vous montrer. Attendez, hein. Avec juste la taille pour que ça rentre dans l'écran. Attends, parce que c'est même pas ça l'opening que je veux. Ouais, c'est ça. Regardez. C'est littéralement... Attendez. Hein. Après c'est Falcom, hein, mais on va la voir. Voilà, ça va arriver, vous allez voir. C'est littéralement la rouquine qu'on va voir ici. Attendez, on va essayer de voir quand même ma tête. C'est littéralement elle sur son arbre là. Elle. C'est elle en fait. Voilà. Vous voyez? C'est exactement ce perso là en fait. C'est le même perso. Ils lui ont changé la couleur de cheveux, ils lui ont mis un tatouage, d'un tatouage qu'il va y avoir sur un personnage qui arrive juste après, et c'est la même, avec les mêmes mimiques et le même délire de comportement chelou. Elle vit dans sa tribu, et à lui aussi, tu vois, il est dans le même délire lui. D'ailleurs au début je croyais que c'était une femme lui, mais en fait c'est un homme, avec les tatouages et tout. Full nature. Ou alors un... Et lui c'est sa version mec quoi. Avec son lutte quoi. Voilà. C'est à elle que j'ai pensé direct quoi. Je sais plus comment elle s'appelait dans Iz mais c'était trop elle. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ben elle s'est fait agresser quoi. On les a juste laissés partir comme ça quoi. C'est pas une fille ordinaire. Elle avait quoi, 15 ou 16 ans? Elle était assez spéciale. Elle a fait un numéro assez incroyable. Assez spécial. Non, Renée, elle est spéciale. Renée, elle sort pas d'un Iz, mais elle pourrait. Elle pourrait. J'ai jamais vu comme une adolescente avant ta remarque. Mais c'est full une adolescente, la petite, là. C'était pas du tout correct. Oh, regardez son sprite ici. Pourquoi est-ce qu'on a dû... Pourquoi est-ce que j'ai dû subir ça? Ah, t'as vu, tu t'es fait humilier devant Lloyd en plus. Et t'as vu Lloyd, quelqu'un d'autre aggrave ses boobs avant toi. Ah là là, quelle vie. Vous étiez tous les deux des filles, alors j'imagine que c'est pas si grave. Oh là là, Noël. Ça marche pas comme ça. Et t'es pas déjà habitué au tapote, au... Ah ouais, c'est vrai ça. Au massage de mamelon de Maria Belle. Mais non, pas du tout. C'est vrai qu'elle s'est déjà fait ploter par sa copine dans le 1. Enfin dans le 4. Enfin dans le jeu d'avant. Bon, au final, ils sont rentrés au bureau parce que c'était quand même éreintant de se faire toucher. Ils ont rapporté l'identité et les informations d'Iwe à la police. Ouais, ils sont rentrés au bureau. Hein. Bien joué. Je peux pas croire qu'il nous ait dit tout ça aussi facilement. Mais il a jamais caché ses infos, pour être honnête. Juste qu'on lui a jamais demandé. Même si là, il a un peu fui à chaque fois, c'était pour s'amuser. De ce qu'on sait... Il ne travaille pas simplement dans les activités de renseignement. Mais au moins, on sait plus ou moins combien de temps il reste et qu'est-ce qu'il pourrait faire. Le résultat est mieux que ce que je pensais. Ok, c'est cool. Et en plus, on a pu, on a pu assister à une scène un peu incroyable. Mais j'ai pas fait de scène du tout.
Mais je suis inquiète au propos de la jeune fille qui était avec lui. Donc on dirait que c'était la subordonnée de Lecter, n'est-ce pas? Non, je n'aurais pas dit ça. Même si elle était jeune, elle était beaucoup trop jeune pour être officier de renseignement et beaucoup trop innocente. Et on dirait qu'elle sortait de Ease. Elle avait rien à voir avec ce jeu. C'est vrai, elle était bestiale. Ok. La première division gardera un œil sur elle. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du boulot. Bah moi aussi. On a tous du taf, madame. Eh ben, au final, on a réussi à être au niveau de ce qu'elle l'attendait. T'as raison. C'est tout ce qui compte au final. Mais cette meuf, si je l'attrape à nouveau. Elle essaie de nous avoir avec son comportement, mais je pense pas que c'était une voyageuse habituelle. Une personne haut placée de l'Empire et une jeune fille sauvage. Ça a l'air assez intéressant. Ok, on a fini la quête. On est bien là. Alors, on va chercher tous les trucs qu'on a ratés maintenant. Ah, mais laissez-moi jouer aux jeux vidéo. On dirait que c'est vous, les gars. Ouais, on a rendu notre quête. Ça fait une quête, une. Bien joué. On dirait que vous reprenez le service et que tout se passe bien pour le moment. Merci, Rebecca. En tant que nouveau membre, je suis toujours inexpérimenté, mais je ferai de mon mieux. On a compris que tu sers à rien. Arrête de le répéter à chaque fois. Au fait, est-ce que vous êtes habitué au nouveau livre de combat? Vous avez dû le recevoir de votre entraînement dans la première division. Maintenant que tu le dis, je l'ai toujours pas utilisé. Quand j'obtiens des informations, je le note dans le livre. Et on devrait te faire des rapports exactement comme avant, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et toutes les infos que vous avez sur des nouveaux monstres seront écrites à l'intérieur. On aimerait récupérer le plus d'informations sur les monstres et les quêtes que vous réalisez pour des mesures de sécurité. Et comme d'habitude, je vous donnerai une petite récompense à force que vous remplissiez votre livre. Compris. Ça a l'air cool. Alors, ce sera cool de s'arrêter ici de temps en temps pour vérifier. Je vous attendrai. Soyez de retour avec les informations que vous pouvez avoir. C'est cool. C'est-à-dire qu'il faut analyser le plus de gens possible. Allez, dis quoi ? Elle dit ouais, vous obtiendrez des récompenses. Pourquoi est-ce que tu parles? Ah oui, c'est vrai. Durant l'incident avec les cultistes, on a obtenu certaines informations des terminales dans le Temple du Soleil. Des informations à propos du culte de la drogue. Et des choses qui avaient l'air d'être enregistrées par Joachim Gunther lui-même. Ces informations avaient été supprimées intentionnellement, les rendant impossibles à déchiffrer. Alors on a dû récupérer les informations, mais on n'a pas pu en obtenir quoi que ce soit. Est-ce que vous avez réussi à récupérer les parties supprimées? Pas vraiment, mais en faisant attention à ce que vous nous avez récupéré, il y a toujours de l'espoir. On sait que des fragments de données endommagées restent malgré tout à l'intérieur de la mémoire du quartz, mais pour analyser complètement toutes ces informations, il nous faudra beaucoup beaucoup de temps. Je vois. Je pensais qu'on pourrait apprendre à nous enfin avoir des informations sur toutes les parties un peu au pif de cette histoire. Pour le moment, on peut simplement attendre. Avec, si tu as des nouvelles informations, tu nous appelles. Ok. En tout cas, si vous voulez check les informations qu'on a pour le moment, vous pouvez le voir à travers l'ordinateur à chaque fois que vous voulez. Et je vous appelle et je vous contacterai dès qu'il y a du progrès. Ok, merci. D'accord.
En retournant au bureau pour voir un peu ce que l'ordinateur nous dit. Et où encore? Ah ouais, c'est le truc tout en haut. Non, je peux remettre. Check request. Done. Affaire report, non? Donc ça c'est le mec de... Voilà, ça c'est 1000$4, donc là on est bien. Et ça c'est la quête du monstre que je viens de faire. Elle est censée me donner 4 maisons de Imelda. Quoi, elle est censée me donner 1500 selon mon guide des DP. On essaie de faire un 100%, donc on veut pas rater les DP. Mais il n'y a pas de DP bonus, donc c'est tout ce qui compte. J'ai eu un peu moins d'argent, je sais pas pourquoi, mais... C'est tout ce qui compte. Reported, reported. Alors il y a ça qu'il faut que je fasse, mais on va faire ça d'abord. Mais juste avant, je vais aller chercher tous les livres de cuisine que j'ai pas pu prendre avant et acheter les bouffes que j'ai pas pu acheter pour compléter le livre de recettes. Pour ça... On va check chaque endroit, donc... Entre à West Street, allons West Street. Il y a le livre que j'ai vu tantôt en plus, hein, mais que j'ai pas pu récupérer. J'avais vu où d'ailleurs? Chez Tali, hein. Non, Crossbell Time, je l'ai pris. Et j'ai pris le miroir également. East Street, il y avait le vendeur en bas qui vendait un truc. Et je crois que je l'ai acheté d'ailleurs. Ah non, je l'ai pas acheté. Décoration pour la chambre de Kia. Très bien. Smoke bomb. Colorful pinwheel. Agité plus 5%. J'ai pas besoin d'acheter ça. Hop. Est-ce qu'il vendait de la bouffe lui? Non. Dans le casino, il se passe un truc visiblement. Comfort chair. Ah, oh, je peux acheter une chaise ici. Est-ce qu'elle demande des points de casino? Ah ouais, merde, 400 points. 400 médailles. Fishing baits. Puis matériel 200. Ah ouais, je peux les obtenir ici. Ok, gain, move plus 1, speed plus 2. Et si je fais... Et si j'échange, j'obtiens combien? Ah ouais. Une médaille, c'est 100 miras. Il me faut 400, ça me coûte 2000 miras. De toute façon, je pourrais toujours arnaquer le jeu si j'ai besoin d'argent. Ok, j'ai la chaise. J'avais déjà pris la piggy bank dans l'IBC, mais je vais y retourner vérifier. Je crois que je lui ai déjà acheté. Je sais plus qui la vendait. Il est où le shop? Parce que je sais pas si c'était elle le magasin. Ah si, je peux lui dire que lui acheter. Ouais, je l'ai déjà acheté, c'est bon. West Street, merde. Ah, je peux pas me TP d'ici, quelle vie. West Street à nouveau? Bookshelf, mix gelado. Ah oui, c'est vrai. C'était ici qu'il y avait le livre que j'avais pas pu attraper. Mix gelado. Mais c'est une recette en fait, ça me donne. Ok. Il y a une autre recette dans le district de renseignement. Dans l'hôtel Millennium, dans la suite. Ah oui, ce livre aussi, j'avais pas pu le prendre. Oh, mais. Le livre de recette, quoi. J'ai fouillé toute la ville avant de l'obtenir. Et du coup, à chaque fois que j'ai trouvé un livre, je pouvais pas le prendre. Ça me rendait fou. Ouais, t'es où encore? Je me rappelle plus. Ah, il était sur la table. Voilà. Ténini. Back alley. Ça, j'ai déjà dû l'acheter, je crois. Dans la... Ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti, hein. Ils vont ça encore. J'ai pas compris. Ah oui, il est là. Ça aussi. Et la prochaine recette. C'est vrai qu'il y avait ça d'Anthony Selva.
Et si c'est plus tard, je peux pas aller. Ouais, dans la main space. Dans la petite maison, il y avait un livre. Yes. Ok. Merde, je peux pas me TP d'ici. Mais du coup, j'ai tout récupéré. Il faut juste que j'achète les bouffes maintenant. Ouais, faut juste que j'achète les bouffes. Alors avant de le faire, je vais peut-être save et check un truc. Si je vais dans la East Street par exemple et que je vais dans le resto. Et où? Et là? Comment je fais pour sauvegarder encore comme ça? Je sauvegarde là. Yes. Hop, bye. Ça j'ai déjà la recette, All Dragon Fried Rice. Par contre ça, si je l'achète... C'est toujours comme avant quoi, si je le bouffe. Ah non, j'ai pas appris la recette. Donc ça marche pas comme ça? J'ai acheté quoi? Smooth Almond Jelly. Smooth Almond Jelly. Non, il y est pas, donc c'est bel et bien que les recettes qu'on trouve avec l'histoire. Ok, je suis pas obligé de les acheter, comme dans le 1. Donc c'est ça que je voulais vérifier. Du coup, pas besoin d'acheter. Ça va, ça. C'est juste pour vérifier dans Legend of Trails in the Sky. Je me rappelle, tu fallais acheter la bouffe pour débloquer les recettes. Enfin, chez les recettes ou... Ou alors on te les donne. Ça, bah, c'est parfait. Je suis pas obligé d'acheter les bouffes. Du coup, ça rase. Ben là je peux faire la quête secondaire suivante, non? Vers Western Route, je crois. Mais mieux vaut faire la quête principale avant. Parce que de toute façon, faudra quand même aller vers la police après. C'est la même route. Je me rappelle bien. Comment j'ouvre la carte de la du pays, quoi? Ouais, comme ça. Après, faut que j'aille en bas à gauche, donc Crossbell Police Academy, tout là-bas. Et c'est encore, c'est quand même sur la Western Route. Et je pourrais faire la quête du monstre, du coup. Autant aller faire... autant aller faire le Enigma 2. Ok, faut aller au pays Orbal. Le bled Orbal. Non, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Je vais quand même sauvegarder au cas où. Que, en général, je fais les quêtes secondaires d'abord, mais bon, j'ai pas envie de refaire la route deux fois. Ah, voyons voir. Wendy. Salut Lloyd. Ah, et vous tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et, attendez, il y en a deux que je connais pas. C'est des nouveaux membres, on les présente à chaque fois, faites pas chier. Je suis Noël, moi c'est Wazi, tu fais chier. Mais c'est la première fois que je demande. Ouais, mais il y en a 20 000 qui ont demandé avant toi, alors tu prends pour tout le monde, ok? Ok, ok, pardon. J'ai plein de choses à vous expliquer, alors regardez. Fais pas chier Wendy, raconte. Raconte l'histoire. Ouais, voilà, alors, l'entraînement des énigmes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien... J'imagine que vous êtes au courant qu'il y a des nouveaux modèles d'Enigma niveau 2 qui font que maintenant tous vos sorts stylés que vous aviez, bah, ils marchent plus. Bah, c'est des nouvelles versions incroyables. Alors il faut travailler. Le quartz qui est utilisé au milieu est appelé un master quartz. C'est vrai qu'avant tous les quartz étaient pareils. Maintenant ceux-là sont comme des matériaux, ils sont circulaires. Enfin c'est des sphères. Ouais, ils sont gros et sphériques. Et c'est des sphères. Le master quartz est... Ah oui, voilà. La différence principale entre le Master Quartz et les normaux, c'est qu'il peut prendre de l'XP. Enfin, c'est qu'il peut s'améliorer. À force de faire des combats, l'orbement va gagner en puissance et en expérience. À force d'être utilisé, on va dire plutôt. Oh, j'ai l'impression que c'est incroyable. Et du coup, le Master Quartz, c'est un peu en vie, quoi. Tais-toi, Ellie. J'imagine qu'il y a toute une histoire derrière tout ça, n'est-ce pas? Alors, vous savez, je suis pas une scientifique, mais donc je connais pas tous les détails. Mais je sais que... Mais tout ça est lié à la puissance cachée des quartz.
Je peux au moins vous expliquer comment les utiliser. La théorie, mais pas la théorie qui est derrière. Alors, pratiquement, voilà comment ça marche. Vous prenez ceci. Pixie et Claw. Ça, c'est pour les deux autres. Ah, c'est ça des Master Quartz. C'est sûr qu'il y a un sentiment différent sur ces quartz que les autres. Est-ce que c'est vraiment cool que vous les donniez comme ça? Ils nous ont été donnés par le QG de la recherche incroyable et magnifique. Je sais plus c'est quoi CPSD, mais je crois que c'est le bureau de recherche incroyable outil au travail, je crois. Et au fait, les Master Quartz ne peuvent pas être créés dans des ateliers normaux. Donc ils ne sont pas produits en masse, vous savez. On n'en reçoit que quelques-uns de la fondation. Voilà, c'est la fondation Epsilon. Donc ils sont pas en vente et ce sera très difficile d'en trouver. Alors s'il vous plaît, soyez prudent avec. Ok, c'est des objets assez rares du coup. Et on va en trouver dans des coffres. Alors vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, d'abord vous devez les équiper. Et ça n'a pas... C'est pas important à qui vous les donnez ou quoi, mais tout le monde peut les utiliser. Voilà, même s'ils ont des liens, même si les quartz, les maîtres quartz sont, enfin les quartz ultimes, les matérias, même si les matérias sont incroyables, il n'y a pas de restriction de élémentaire. Tout le monde peut les utiliser, ok. Eh bien, on peut les utiliser alors. Très bien. J'imagine qu'il faut que je l'utilise. Je suis trompé de menu. Quartz. Alors, ils font quoi ces deux-là? Alors, j'en ai un qui augmente la défense, je l'ai mis sur elle. Un qui augmente la force, je l'ai mis sur lui. C'est la défense magique. Enfin, ça l'augmente pas, ça donne un buff plutôt au début du tour. Pixie, buff d'attaque magique au début du tour. Enfin, ça, c'est pour elle. En plus, Pixie donne quoi comme élément? Deux cailloux, deux vents et un feu, ok. Ah, ils sont trop stylés les éléments dessus. Et Claw, speed, c'est parfait, c'est vraiment fait pour eux, quoi. Claw qui donne deux temporels et un vert. Très bien. D'ailleurs, force, il a XP un peu ou pas? Comment on voit la barre d'XP des... On la voit à la fin des... Quand on prend un niveau... Enfin, quand on finit un combat, qu'on prend l'XP, on le voit. Mais là, on peut pas le voir. Peut-être si je vais dans item et que je vais dans quartz. Ah, même pas. Enfin, là, tu vois que les quartz qui sont pas équipés, de toute façon. Non, tu peux pas avoir l'XP. Ah si, c'est écrit XP 875 pour Nex, il en a... Ah mais il en a tellement peu. Ah celui-là il va bientôt level up. Ah non, pas du tout en fait. Ah si, next. La shield a plus d'XP que celui-là. Ok. Celui-là c'est le seul qui donne des points partout. Celui-là il donne... J'ai 5593 PV. Et quand je le mets, vu qu'il donne 100 PV, j'ai 5600. Ouais, il donne des stats. Hein. Et sur Marc, celui-là, c'est le seul qui donne pas de stats. Enfin, qui donne des stats partout. Celui-là donne pas des stats en. Dans le reste. Mais du coup, en fait, elle est vraiment craquée en magie. Parce que tantôt, j'avais Force qui me donnait un peu de points en magie. Là, elle va gagner 60. Donc, ouais, elle a 4. Elle a 200. Elle a 314. Voilà, elle est vraiment plus forte que les autres en magie. Ok. Cool. Je reparle. Bon, tout le monde a un Master Quartz maintenant. Ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux que vous voyez la puissance des Master Quartz vous-même dans un test. Ok, faut qu'on combatte quoi? Eh ben, précisément. J'ai une petite expérience à vous faire tester. Et vous allez pouvoir les tester en action, quoi. Yes. Faut faire quoi? Où c'est? Il y a combien de batailles? Non, rien de spécial, rien de spécial. L'endroit et les adversaires sont totalement... C'est vous qui décidez, quoi. Faites des combats, faites-en plein et revenez me voir plus tard. Juste fuyez pas le combat, quoi. Ok, je comprends. Donc on combat un truc et c'est bon, quoi. J'aimerais rester dans la ville pour le moment. Il y a des monstres dans la maison d'Imelda, alors autant les attaquer. Ah, oh, j'aurais dû faire ces quêtes avant, c'est ça qu'il faut faire. Ah, mais quelle vie. Oui, prenez ce quartz aussi. Oh, cool. C'est un autre gift du QG.
Ça permet de faire analyse. Ouais, c'est cool. Celui qui contrôle l'information contrôle le combat. Nice. C'est vrai que maintenant que Tio n'est pas là, il va falloir qu'on utilise des spells pour analyser les ennemis. Ok, bonne chance. Et vous pouvez maintenant crafter des quartz, etc, etc. Yes. La vie qu'on a choisi, quoi. Blablabla. Et du coup, si j'essaye de sortir, de toute façon, il m'empêche de sortir, quoi. Change to... Ouais, c'est quoi ça? Quoi ce menu? Buy, change, cover. Hein? Comment ça, cover? C'est le visuel? Est-ce qu'il parle de ce visuel-là? Là, j'ai un bâtiment nul. Change to... Oh... Ça change quoi? Ok, c'est de la merde. Et je peux les acheter. Whole thing wolf. Ok, ok. Equip, change to. Très bien. Blue sheriff. Ok. On va essayer Blue Sheriff. Bah sur quoi c'est long XP. Ouais, ça me paraît. Après le quartz de Arios, il était à level 4, donc j'imagine bien que ça va pas très haut en level non plus, du coup ça prend un peu de temps. Blue Sheriff, elle est là, celui-là, elle peut avoir Peace Green. Ah mais elle a déjà Peace Green d'équipée. Equipped, elle je peux lui acheter un nouveau. Et lui aussi il a celui-là et je peux lui acheter un nouveau. Très bien. En fait Ellie elle en a 3. Et eux en ont 2 de possibles. Très bien. Ils sont sympas leurs covers pour le moment. Enfin elle ça dégoûte. Et lui c'est... Lui il est stylé. Ok. Et les quartz je peux acheter quoi? Alors il y a défense. Je vais rien l'acheter comme d'hab. Hein. J'achèterai plus tard. Par contre je vais très vite ouvrir. Hein. Alors, on va ouvrir ceux qui coûtent pas cher. Oh, 150. Ah, c'est vrai qu'il faut les améliorer après. On va ouvrir un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Est-ce que je peux encore en ouvrir 40. 40, ça fait 4, 8, 16, 20. Et 2, 4, 6, 8. Du coup, j'ai assez. Ouvrir pour tout le monde. Un dernier. Parfait. Ok. Je commence à avoir quelques quartz quand même. Enfin, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai défense et mine quoi. Mine ATS, c'est pour elle. Mine ATS. Toi, tu vas rendre le evade là, t'en as pas besoin. Tu vas prendre. Ah, y'a rien, merde. Bon, tu vas rendre le evade quand même. Et je vais mettre celui-là sur elle. Alors, elle obtient quoi? Pas grand chose en vrai. Et si je lui retire? Il y a une touche pour retirer direct. Elle obtient rien. Autant lui mettre. Elle peut avoir défense là. Oh, c'est mieux comme ça. Ah, j'aimerais lui mettre un truc un truc bleu. Elle a mute. Moi j'ai HP 1, j'ai pas besoin d'HP 1. Mettre HP 1 à elle, comme ça normalement voilà la breath. Du coup maintenant elle fait AOE heal. En plus de heal singulier, parfait. C'est beaucoup mieux comme ça. Elle, vu qu'elle est boostée défense, je vais mettre défense. Voilà, là elle commence à avoir des bons spells elle aussi. Et en plus elle a analyze. Elle aussi, et lui il a les chrono down et trucs, et moi je sers à rien parce que j'ai pas de quartz d'attaque. J'ai pas envie d'acheter un quartz d'attaque du coup. J'ai pas envie d'acheter un quartz d'attaque. Juste pour le plaisir, ça coûte 40. Pff, j'aime pas acheter des trucs, vous me connaissez. Hein. Bien sûr, ça a l'air craqué sur quartz. Pas besoin de... C'est évident. Comme tout dans le jeu, ouais. Tout est tellement craqué quand t'avances. Bah c'est cool. Bon, on va taper des mobs chez Imelda. Mais du coup, je peux pas sortir de la ville, si j'ai bien compris. Si je vais dans le résidentiel district, là. Si je vais là-bas, ils vont dire, ouais, sortir, c'est pas une bonne idée. Ouais, sortir, c'est pas une bonne idée. Ouais, ça. Downtown. Du coup, les premières quêtes secondaires principales étaient vraiment faites pour être faites en premier, quoi. Bon, là, il y a des mobs, normalement. On va en taper quelques-uns.
Oh, on a fait 0 dégâts. Alors est-ce qu'il faut que je les analyse? Eh mais ils sont déjà analysés eux. Trop bien. Il aime pas le feu. Moi oh, j'ai plus aucun point quoi. Oh c'est deux fois son tour quoi. Ah oh, elle peut pas jouer. Quelle vie. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'intéressant? Rien ouais. Ouais ils sont déjà analysés eux. Bah elle bouge pas quoi. Ah, ils ont aucun CP quoi. Mais pourquoi il a attaqué lui? Quelle vie. Merci. Faire rire elle. Enigma Kudo. Ok, ils sont contents. Let's go. Mais déplace-toi. Mais Square central. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ils me mettent tellement proche de l'endroit où ça change d'écran qu'on se rend même pas compte qu'on change d'écran. Quoi. Nice. Oh, vous êtes impressionnant. Ellie, Oasis, c'était bien. Oui, Motep. Waouh, j'étais tellement plus fort, tellement plus rapide, tellement plus beau. Honnêtement, c'était mieux que ce que je pensais. Vous êtes défoncé, vous êtes fait défoncer par des ratons laveurs. Calmez-vous. Au fait, vous avez remarqué, ils ont pris de l'XP et tout. Au fait, quand ils sont au niveau final, vous savez quoi? Vous allez découvrir vous-même ce qu'ils feront. Allez, bonne chance. Oh, t'as vu, ils nous spoilent même pas dans le jeu. Il y a plein de surprises à rester, qui restent. Oh, mais c'est trop bien. Eh ben, j'ai hâte qu'ils soient niveau max. Oh, trop bien, merci. Si j'ai des infos, je vous enverrai un. Si j'ai des infos, j'enverrai un rapport au quartier général. Au quartier général. Si vous avez d'autres questions sur les Ormands, n'hésitez pas. C'est la vie qu'on a choisie, n'est-ce pas? C'est vrai. Blablabla. Enigma Akudo. Master Quarzo. C'est trop bien, merci pour l'aide. Ah, ils m'ont donné un truc. Ils m'ont donné quoi? Putain, je pensais pas qu'elle allait continuer à parler après. J'ai spammé, j'ai pas fait exprès. Mais elle a juste dû me dire courage. Elle m'a donné un quartz. Eagle Eye, oh quelle vie. Eagle Eye, c'est pour moi ça. Ennemi à display dans le minimap. Quoique je pourrais mettre Eagle Eye sur elle et avoir plus de spells. Eagle Eye, ça donne des stats, ça donne pas de stats. Bon, je peux le laisser sur elle du coup. Elle obtient des nouveaux sorts ou pas? Photon shot. Elle fait pas beaucoup. Ah, j'ai peut-être... ah mais elle a plus de place. Avec blind, truc et mirage. Ah, oh, il faut que j'ouvre un slot à elle. Oh, j'ai envie de lui ouvrir un slot et de lui mettre EP cut quoi. Let's go. Alors c'est quoi le mieux? Alors pour le moment elle a ça et ça, ok. EP cut. EP cut c'est mieux parce que si elle fait plein de spells... EP cut c'est mieux. En plus elle a l'AOE. Airsync c'est une AOE si je me trompe pas. Merde, c'est là que je voulais aller. Non, Airsync c'est juste une attaque plus forte en ligne. Bon ça c'est une ligne. Attaque straight line. Ok. C'est pas. C'est aérial là-haut. C'est vrai ça. Ouais, je peux lui laisser pick Eagle Eye du coup. Ah, elle a plus Analyze du coup. C'est pas grave, l'autre elle l'a. Ah mais j'aimerais bien qu'elle ait Eagle Eye quand même. Enfin qu'elle est Analyze. Comme ça elle fait Analyze et l'autre elle peut attaquer. Et du coup faut que je retire Mind. Jamais de la vie. Ok, on est bon comme ça.
On est bon comme ça, mais est-ce que j'ai le temps de continuer à jouer ça, vraie question? Parce que j'ai... Là, il faut que je mange. Un appel du chef? On va peut-être s'arrêter là. Hein. Ah, il était temps qu'il appelle. C'est moi. Ah, salut. Comme je vous ai expliqué ce matin, il est temps que vous veniez à l'académie de police. Vous connaissez la route, pas vrai? Oui, bien sûr. Il faut prendre la porte à mi-chemin à travers la route de l'ouest. Ouais. J'ai laissé la porte ouverte pour vous. Au fait, vous avez fini de patrouiller en ville, pas vrai? Alors, ça ressemble à quoi, honnêtement? Ça n'a pas trop changé. J'ai un sentiment bizarre que quelque chose va avoir lieu. Je veux dire, ils ont fait un nouveau jeu, il va sans doute se passer un truc bizarre. Va falloir que t'aiguises ton intuition, t'en auras besoin. Bon, je vous attends. Okay. C'était le chef au final. On dirait qu'il a dit quelque chose qui l'inquiétait. Pourquoi j'utilise pas les objets pour analyser? Parce qu'il y a des sorts. Je suis pas très utilisation d'objets, je fais rarement ça. Ouais, deux secondes, désolé. On dirait qu'il y avait quelque chose qui l'inquiétait. Pour être honnête, j'ai déjà dû utiliser, je crois, un ou deux objets pour Rez, ça m'a déjà saoulé, quoi. Mais en même temps, j'étais tombé sur des situations où j'avais pas le choix. J'ai le sentiment que le chef... pense aussi qu'il va y avoir un changement dans la ville. Il faudra qu'on lui explique ce qu'on a vu sur Lester et Yue aussi. C'est vrai. Du coup, on va à l'académie de police. Ouais, on peut y aller. Ok, maintenant on peut aller à la route ouest via le TP. Mais on va quand même s'arrêter là parce que je vais aller manger. Et on continuera demain. Je pense pas que je vais lancer le stream après avoir mangé. Même si j'ai envie de jouer toute la nuit, demain j'ai des trucs à faire. Et du coup c'est mort. Mais j'ai tellement envie de continuer, c'est un truc de fou. J'ai tellement faim du jeu vidéo. Mais on s'est bien amusé. Save mon gars. On peut sauvegarder là, quoique on peut même sauvegarder ici. Et je sauvegarderai au-dessus de la suivante après. Yes.